Alors, pour les béliers, ça va bouger, évidemment, puisque Uranus, qui est la planète qui était dans le signe du bélier pendant quelques temps, elle est arrivée en taureau en 2018, et cette planète-là recule. Et elle va reculer pour se retrouver dans le troisième décan du signe du bélier, entre maintenant, et elle va être là-bas, elle va reculer jusqu'en 6 mars. Donc, ce qui veut dire que les béliers vont avoir une certaine pression, mais en même temps, ils vont être soutenus par la planète Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc ça, c'est le premier décan qui est concerné aussi. Mais toute l'année, les trois vont être concernés par la planète Jupiter, l'expansion, dans le signe du Sagittaire, un signe de feu. Donc on peut s'attendre à une accélération des projets pour le signe des béliers, de la chance. Il va falloir gérer vos priorités. Alors, évidemment, je suis obligée de travailler par décan. Le premier décan va avoir encore l'influence de Saturne, qui va être en carré, en tension. Donc, un peu l'impression, quelquefois, de rouler avec le frein à main, mais ça s'éloigne. C'est plus le deuxième décan qui va avoir l'impression d'avoir quelques freins au niveau de ses projets de carrière. Mais le deuxième décan va très vite être réénergétisé et va avoir de la chance grâce à la planète Jupiter. Le troisième décan va lui être influencé en début d'année, les trois premiers mois, les deux premiers mois, jusqu'au 6 mars, par la planète Uranus dans le signe du bélier. La planète Uranus, c'est électrique, c'est l'expansion, c'est l'inattendu. Donc, il peut y avoir des choses assez inattendues pour le signe du bélier, en tout cas en janvier, février, jusqu'à tout début mars. Et le troisième décan va aussi avoir l'influence de la chance de Jupiter en trigone dans le secteur des voyages. Va aussi avoir besoin de redonner du sens à sa vie, puisque la maison neuve, c'est aussi le besoin de redonner du sens à notre vie. Donc, en fait, on peut considérer sur le plan professionnel, les béliers vont avoir plusieurs planètes dans des signes de feu, donc vont avoir envie d'innover, d'avoir de nouveaux projets. Sur le plan financier, il peut y avoir plus de chances. Au niveau amoureux, un peu de pression, surtout en début d'année, jusqu'au 6 mars, et après, plus de stabilité. Alors moi, je dirais que au bélier, mon conseil pour garder le sourire, ce serait de canaliser vos excès, de respirer plus souvent, de faire du sport, et surtout, de lâcher la pression. Alors je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses, donc soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chance finalement de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer. Parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà, et je vous souhaite une belle année à vous tous.